généraliste, addictologue, etc., je me trouvais, j'avais l'impression de parler une langue étrangère. Je parlais ma langue, j'expliquais à mes compagnons, docteur, ceci, cela, cela, et ils me répondaient, un peu comme le dit William Styron dans son livre Darkness Visible sur la dépression et l'alcoolisme, il y avait un monde entre lui et moi. Il me proposait sa solution, mais elle n'avait rien à voir avec ce que moi je comprenais de ma maladie, etc. Et donc, ici, les alcooliques connaissent cette maladie, mieux sans doute que tout le monde. L'idéal est de connaître la maladie, bien entendu, et de connaître également, d'avoir l'expérience du médicament également, parce que c'est un médicament très particulier. Ceci, maintenant, étant dit, je vais passer un petit peu à... je ne vais pas faire trop long pour essayer de laisser des questions et des réponses, c'est important, je crois, ici. Alors, pour ce qui est des statistiques... Contre le menton. Est-ce que c'est mieux ? Si vous n'entendez pas bien, soyez gentil, dites-le-moi. Alors, je vais rapidement voir des statistiques avec vous, ce qu'est le craving, etc., et un modèle de guérison. L'alcool-dépendance en France concerne à peu près 10% de la population générale, et je parle de la dépendance, parce qu'il y a, si on prend les buveurs excessifs, on a à peu près 20-25%. Il y a 45 000 morts par an. Moi, dans mon livre, j'ai décidé de transformer ça en 120 morts par jour parce que c'est beaucoup plus, comme on dit, une femme battue meurt tous les 3 jours, ça parle. Quand on dit l'alcoolisme tue 120 morts par jour, je crois que lorsqu'on met un chiffre en année très abstrait, ici, on comprend mieux. Donc c'est pour ça que depuis, dans mes interviews, je parle toujours de ce chiffre qui est maintenant repris constamment. Il n'existe pas de traitement efficace. Hein. L'étude que je mets ici en bas, qui est récente, 2009, montre que les patients désintoxiqués dans les meilleures conditions, dans les meilleurs centres, etc., ayant pris les traitements optimaux, rechutent en général dans l'année. Alors, qu'est-ce que le craving? Je crois que tout le monde le sait un petit peu. C'est de besoin irrépressible, compulsif de boire. Le National Institute of Alcoholism and Addiction des États-Unis écrit que le craving pour un alcoolique ou pour un héroïnomane, c'est la même maladie d'ailleurs, pour ces personnes est tel que le besoin de boire, de consommer la substance est plus fort que celui de consommer de l'eau ou de la nourriture, ce qui fait que lorsque vous présentez un verre d'eau ou un verre d'alcool à un patient, les patientes sont donc dénutries, ne boiront plus d'eau et boiront leur alcool, parce que l'alcool est perçu par le cerveau comme indispensable à la vie. Alors, que se passe-t-il? Quel est le traitement? Quel a été le traitement de l'alcoolisme jusqu'à maintenant? L'abstinence, c'est normal. On sait que la toxine, le poison, c'est l'alcool. La seule façon de ne pas avoir le poison en soi, puisque si on ne boit pas d'alcool, on ne peut pas avoir la maladie, enfin les conséquences de la molécule alcool. On a la maladie sous-jacente, on est mal, mais on n'aura pas de cirrhose du foie. Donc on dit aux gens, ne buvez pas et vous n'aurez pas de cirrhose et pas de polynévrite. Ceci implique des efforts, je les connais parce que je les ai faits, vécus, qui font que toute votre journée consiste à comment ne pas boire aujourd'hui. Comment ne pas boire aujourd'hui? Vous passez votre temps au téléphone, etc. Je ne boirai pas, etc. Ces efforts sont tels que, évidemment, la rechute est plus forte et survient, comme la statistique précédente l'indiquait. En France, donc, je crois que c'est... Bon. Alors voilà, le craving est aussi le facteur le plus prédictif de la rechute. C'était montré par 2 publications. C'est-à-dire que plus quelqu'un a de craving, plus il rechutera. Je dois dire ici aussi que la maladie alcoolique n'est pas aussi simple. Je ne peux pas ici, c'est un overview, comme on dit, c'est un aperçu de ce qu'est la maladie alcoolique. La maladie alcoolique ne se résume pas, je l'ai fait dans mon livre, etc. Mais tout ça, il y aurait des pages à écrire. Ce n'est pas que le craving, mon craving est comme ci et comme ça. Il y a les rêves, il y a les mal-êtres, il y a toutes sortes de choses, toute une constellation de symptômes qui font que, on ne peut pas dire le craving est parti, tout va bien, etc. Mais en tout cas, le craving est le facteur le plus prédictif de la maladie. L'histoire d'un médecin, voilà, c'est la mienne. Que s'est-il passé, en fait, au début? C'est donc mon cas clinique. Au début, j'étais un enfant, peut-être, ou surtout un adolescent, extrêmement anxieux, extrêmement timide, mal à l'aise, gauche, et je n'arrivais pas à fonctionner. J'avais l'impression qu'il y avait une différence entre les autres et moi.
Je ne pouvais pas me mouvoir, je m'isolais, etc. Et c'est finalement, mais je ne buvais pas du tout d'alcool. Lorsque je suis parti, j'ai fait mon internat en médecine, en cardiologie, etc. Puis je suis parti aux États-Unis, j'avais l'âge de 30 ans, et là j'ai été invité, j'étais pianiste également, je le suis toujours. On m'invitait à des soirées, et ces soirées se produisaient deux fois par mois, etc. Et on me demandait de jouer du piano, on me demandait de parler à des gens. Ça m'était extrêmement pénible. Et du coup, je me rendais compte que j'avais consulté des psychiatres, des psychanalystes, etc. Enfin, tout le monde pour essayer de venir à bout de cette anxiété. Il m'avait donné des médicaments. J'avais vu des spécialistes, des psychopharmacologues, etc. Rien n'y faisait. J'avais des accès de panique complètement invalidants. J'ai remarqué dans ces soirées qu'en prenant un verre d'alcool, tout avait changé. Tout changeait. J'étais capable de me mettre au piano, de parler aux gens. Mes amis, mon cercle social s'est immédiatement agrandi, élargi, mes patients sont venus de plus en plus nombreux, enfin c'était, ma vie a changé, ce que j'ai d'ailleurs entendu dans toutes les réunions d'alcooliques anonymes. Lorsque j'ai pris mon premier verre, j'ai su que j'étais moi. Ça c'était intéressant, c'est une phrase que j'ai entendue, réentendue. Donc tout se passait très bien, l'alcool était pour moi, l'alcool était le médicament que je cherchais. Donc, entre 1996 et 2003, j'ai été, on m'a dit, alors là je raconte encore une fois ce qui se passe dans une maladie dite normale et dans l'alcoolisme. Moi je m'attendais à avoir quand on m'a dit, ben voilà, vous êtes alcoolique, j'ai dit vraiment, oui, vous êtes alcoolique, nous en sommes sûrs. Alors j'ai dit, quelle est la démarche à suivre, comme on le fait pour n'importe quel problème, quand on a une ulcère d'estomac, etc. Un cancer, on dit, voilà, vous venez, alors l'opération a lieu mardi telle heure, la chimiothérapie, c'est le mardi 8, bras gauche, bras droit, bras gauche, etc. Donc c'est facile, codifié, on y va, c'est pas un plaisir, mais on le fait, et c'est simple, je dirais. C'est un peu difficile, mais c'est simple quand même. Par contre, lorsque j'ai demandé, et moi, que fais-je? Alors je suis tombé sur des neurologues, des addictologues, des ceci, des cela. Ils se sont. Alors là, m'a dit, écoute, il y a Alcoolique Anonyme, vas-y si tu veux, moi personnellement, je n'irai pas. Bon, c'est rassurant, mais vas-y. Un autre m'a dit, oh oui, va en Alcoolique Anonyme, je connais des gens chez qui ça a marché. J'ai dit, les désintoxications, j'en entends parler, oui, oh, tu n'en es pas là. J'ai après parlé de réhabilitation, non, de cure, oh non, pas ça, oui, si, vas-y, tu sais qu'est-ce que t'as à perdre. Enfin, le traitement était ce qu'on appelle en médecine du n'importe quoi. Il avait tout, sauf quelque chose de codifié ou de, il n'y avait pas de plan du tout. Donc, entre 1996 et 2003, je me suis dit, puisqu'Alcoolique Anonyme peut me sauver la vie, on m'avait dit, il n'y a que ça. Bon, je suis allé à jusqu'à 5000 réunions, j'allais jusqu'à 2 réunions, parfois 4 par jour, pendant 7 ans. J'ai fait des thérapies cognitives, comportementales, motivationnelles, j'ai eu des suivis alcooliques, anti-craving, anxiolytiques, IRS, je vous en passe. Quand j'arrivais chez mon médecin, je disais, docteur, j'ai rechuté, avec évidemment la honte qui est entachée. Et la réponse du médecin était, mais pourquoi ? Moi, je disais au médecin, mais je suis, c'est pour ça que je viens, docteur, pour vous le demander. Normalement, quand on va chez un médecin et qu'on dit, j'ai mal à la tête, on ne vous demande pas pourquoi. On n'a pas à se justifier, mais enfin, c'était mon cas. Je ne trouvais pas ça normal, mais je le faisais, puisqu'on m'a dit que c'était la seule chose. Donc, entre 1997 et 2001, j'ai été admis aux urgences, je m'endormais dans des endroits, je chutais ici et là, etc. 20 admissions aux urgences, 10 tentatives de sevrage ambulatoire qui duraient chacune des plusieurs jours, 9 cures résidentielles dont 11 mois en institution. À la sortie de chaque cure, on m'avait dit, tu es le héros, tu es le meilleur, on n'a jamais vu un patient comme toi, toi tu sors, tu es tiré d'affaire. Et je disais, mais non, je sais que non, parce que ma maladie à moi, c'est l'anxiété. C'est mon anxiété qui, dès que je quitterai cette bulle, va réapparaître. Je vais rechuter, je le sais. On m'a dit, non, nous savons mieux que toi, c'est nous les experts, vas-y. Le jour même, je rechutais dans les heures. C'est-à-dire, je n'ai pas eu un jour où je n'ai pas rechuté en rentrant de toutes ces cures qui ont duré parfois de 2-3 mois. Alors, il y a un modèle maintenant, depuis à peu près les années 90, modèle de réduction. Les médecins, comme le disait le directeur, observent des choses et ils disent, tiens, puisque cette maladie est complètement incurable, peut-être est-ce lié à un de ces symptômes, le craving. Donc on va trouver des modèles de réduction du craving. Et donc il y a ici à la fois à Yale, aux États-Unis, au Malais et Volpi
Volpicelli avec O'Brien en Pennsylvanie. Pardon ? Oui, plus près là. Oui, en Pennsylvanie, on dit, voilà, puisque le craving est le facteur qui fait rejeter, on va le réduire, puisque nous avons des armes thérapeutiques. Ça tombait bien, les laboratoires pharmaceutiques arrivaient avec deux produits, la naltrexone et la comprosate. Donc, ils ont dit, ok, on va le faire. Alors, il y a la comprosate, c'est la Otal, naltrexone Revia, topiramate, c'est l'épitomax, ondansetron, baclofène à faible dose, c'est 30 mg par jour, qui est utilisé depuis une vingtaine d'années. Et on a dit, si on réduit le craving, la partie est gagnée. Ils ont fait des essais cliniques randomisés de toutes ces molécules. Et le problème est que, à l'inverse des molécules, moi, je suis cardiologue, j'ai vu dans ma petite carrière des gens venir avec des problèmes comme des ralentissements du rythme cardiaque, des bradycardies. Eh bien, ces gens étaient mourants, normalement. Et ils sortaient un petit peu comme Annie parlait des tuberculoses ou des infections. Ces gens mouraient parce que le cœur se ralentissait et c'était terminé. Bon, on leur a mis des pacemakers, maintenant aucun ne meurt. Voilà. J'ai vu l'hypertension artérielle qui faisait des ravages. L'hypertension artérielle était l'un des plus grands, on l'appelait the silent killer, le tueur silencieux. Les gens tombaient comme des mouches et les médicaments sont arrivés. L'hypertension bien traitée aujourd'hui ne tue pas du tout. Même chose pour le sida d'ailleurs. Le sida, lorsque nous l'avons connu il y a plus d'une vingtaine d'années, était un arrêt de mort. Tous les patients atteints de sida mouraient. Maintenant, un patient traité par trithérapie de sida, la mortalité est de, je ne sais pas combien, je ne suis pas expert, mais je crois qu'elle est quasi nulle ou très très faible. Donc, comment établir l'efficacité d'un médicament ? C'est s'il marche. Ces médicaments-là ont fait la preuve de leur efficacité, donc en quelques 3-4 ans. On l'a vu, on le voit tout de suite. Par contre, les médicaments dont je vous ai parlé, les anti-craving, comme on les appelle maintenant, ont fait la preuve d'aucune efficacité, puisqu'aujourd'hui, la mortalité et la morbidité de cette maladie est non pas égale à ce qu'elle était il y a 20 ans avant l'avènement de ces molécules, mais plus importante. Donc les médicaments, entre autres, ne servent à rien. Lorsque cette étude montre que, par exemple, la comprosate a été utilisée, je parle de 2000, hein, ça fait 10 ans, déjà à l'époque sur 4 millions de patients. Bon, on a vu le résultat, rien. Et il y a des essais cliniques, dans tous ces essais cliniques, ces essais qui sont menés contre placebo, donc c'est naltrexone placebo, topiramate placebo, ceci placebo, enfin tout est traité et contre placebo. Or, dans les essais cliniques, pas un patient traité par naltrexone ou à comprosate ou par placebo n'a vu sa maladie se supprimer, disparaître. Donc, on n'a jamais dans la littérature médicale vu de disparition de l'alcoolodépendance. Ça n'existe pas. Voilà. Pour le baclofène, les essais randomisés ne manquent pas. Il y en a depuis 17 ans. Le premier était Krupitsky, 1993, ensuite Adoloraton en 2000, il y en a refait un en 2002, un autre en 2007, à 30 mg par jour. Il m'a promis d'en faire à plus depuis 5-6 ans. Il ne le fait toujours pas, tant pis. Chez l'animal, par contre, et c'est là que, alors que j'étais malade et que je savais que j'étais en train de mourir, puisque je n'avais rien, j'étais à cette époque, la mort n'était pas ce qui me faisait le plus peur, parce que ça aurait été un soulagement. Par contre, et je ne voulais, il y avait deux choses, je savais que c'était une maladie biologique, et c'est pour ça que je ne me suicidais pas, me disant, si je me suicide aujourd'hui, le traitement apparaîtra demain. Et je ne voulais pas faire ça. Pourtant, il y avait de bonnes raisons de le faire. Donc, je me suis mis à faire, comme tout vient toujours de chez l'animal, des recherches chez l'animal. Et pendant les périodes entre cuites, parce que je buvais par binges, par cuites, j'arrivais à me mettre près de l'ordinateur et à passer des heures et des heures reviewant des abstracts. J'ai compté que j'en ai revu à peu près 150 000 sur une période d'un an ou deux. Chez l'animal, et on me prenait pour un fou, je ne parlais même pas de ce que je faisais. Quand j'en parlais à des médecins, ils me disaient « Très bien, ne buvez pas, tout va bien, et ça ira. » Et donc, chez l'animal, étude de David Roberts en 96, le baclofène à faible dose réduit la motivation de l'animal, alors il s'agit du rat ici, à consommer de l'alcool. À haute dose, il supprime la motivation. C'est-à-dire que le rat, qui n'a aucune connaissance du fait que la cocaïne, l'alcool, l'héroïne, etc., sont des produits dangereux, cesse d'appuyer sur cette pédale qui lui procure la toxine et dit, au contraire,
je vais maintenant prendre de la nourriture et de l'eau. Donc le rat arrête, c'est la motivation qui s'en va, alors que tout par ailleurs reste normal. Voilà. Ce qui est très beau ici, c'est que David Roberts et Gary Vickers d'ailleurs ont écrit le rat, la haute dose supprime, je dis bien pas réduit, la motivation, l'effet et dose-dépendant. Là, je me suis arrêté, réarrêté. J'avais lu la théorie des 90 qui avait duré et qui dure encore. D'ailleurs, il faut réduire le craving. Aujourd'hui encore, allez dans n'importe cours d'addictologie, on vous dira, il faut réduire le craving. C'est bien pour le médecin, pour le patient, ça fait rien. C'est quelque chose qui est bon pour le patient, pour le médecin, dans la mesure où il revoit le malade, s'il le revoit. Pour le malade, ça ne fait rien. Il dit, docteur, je n'y arrive pas. Mais quand j'ai pensé supprimer la motivation, je me suis dit, puisque c'est dose dépendant, est-ce que le baclofène qui était utilisé à faible dose chez l'homme, si on l'utilisait à des doses plus fortes, pouvait aussi supprimer la motivation de l'homme à consommer de l'alcool de façon dose dépendante? Car tous les autres médicaments anticholinergiques, comme je l'avais dit, ne font que réduire et non pas supprimer cette motivation. Voilà ici un graphique sur lequel on voit l'effet dose dépendant du baclofène sur la motivation à consommer de l'alcool chez le rat. Le rat appuie sur la pédale et 1 mg, il appuie, 2 mg, 3 mg, il peut appuyer. Il y a une suppression complète de l'envie du rat de consommer. Donc le rat n'en a plus envie. Mon postulat là a été qu'à l'inverse de toute autre maladie, comme prenons deux cas, prenons la tuberculose, une pneumonie, disons. Pneumonie bactérienne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des douleurs thoraciques, il y a de la toux, il y a de la fièvre, par exemple. Bon, on peut faire baisser la fièvre, on peut faire baisser la toux, on peut donner un peu de codéine, et la douleur également baissera. Bon, on va laisser le patient à ce régime, quelques jours plus tard, il sera mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu d'antibiotiques. Donc, on a supprimé les symptômes, le patient va mourir asymptomatique. Même chose en cardiologie, on peut lui supprimer ses symptômes d'angine de poitrine, lui dire tout va bien, il sort, il marche un peu plus vite, il meurt. Parce qu'on n'a pas réglé la cause, on a supprimé le symptôme. Donc supprimer un symptôme en médecine n'est pas du tout supprimer une maladie. Ici, supprimer le symptôme égale supprimer la maladie, c'est-à-dire supprimer le craving, l'envie de boire, l'espèce de compulsion, tout ça, et conduit qui va dans sa, je dirais, le sens commun est assez clair ici. Quelle personne aura envie, après d'avoir mangé un repas, d'en prendre un deuxième, un troisième ou un quatrième, hormis les boulimiques, que le baclofène ne traite d'ailleurs. Mais qui, après avoir bu un verre et obtenu ce qu'on appelle la satiété, va dire, comme le font la plupart des gens du reste, va dire, tiens, je vais en prendre deux, quatre, six, huit. L'alcoolique, lui, ne peut pas s'arrêter. L'alcoolique boit un verre d'alcool. Un verre d'alcool égale 2, égale 10, égale la bouteille, et c'est la rechute. Mon hypothèse, c'est pourrait-on transposer, serait-il possible à l'homme les propriétés dose dépendantes suppressives du craving par le baclofène, donc supprimer la maladie? À la fin, puisqu'il n'y avait pas, j'étais le premier, et qu'aucun de mes médecins ne voulait prendre ça au sérieux, j'ai été obligé de faire un protocole fin 2003, que je me suis auto-administré avec des doses progressivement croissantes de baclofène, comme chez l'animal, en me disant que la limite supérieure serait, vu mon poids, 4 mg par jour. C'était la dose qui supprimait chez l'animal, chez tous les animaux, donc 300 mg par jour. En attendant, je dois dire que pendant un an et demi, j'ai commencé le baclofène le 22 mars 2002, j'étais au baclofène d'abord. Et alors, ce qui s'est produit de merveilleux, c'est que j'avais, lorsque j'ai pris du baclofène à l'époque, une sérénité, un bien-être, quelque chose que je n'avais jamais connu, une détente physique. Le baclofène a changé ma vie parce que moi, ce qui a attiré mon attention, il est parfois dit que j'avais vu que ça faisait baisser la cocaïne chez je ne sais qui, etc. Pas du tout. Ce qui m'a intéressé dans le baclofène, c'était son effet myorelaxant. C'est un relaxant musculaire. Or, moi, j'avais les muscles tendus tout le temps. Nervosité, muscles tendus. Et je me disais, si ce médicament, je n'arrivais pas à faire de la relaxation vraie, je n'arrivais pas du tout on me donnait des exercices, et là, pour la première fois, je me suis dit, mais c'est ça la relaxation. Les muscles étaient relaxés. Je me suis dit, on disait toujours, si les muscles sont relaxés, peut-être que l'anxiété partira. Et en effet, l'anxiété est partie. Je pouvais m'abstraire des choses, je pouvais somnoler. Alors on dit, ça veut parfois somnoler. Somnolence, c'était un mot que je ne connaissais pas. Je voyais des gens, je les enviais, je les voyais s'endormir sur un canapé. Je me disais, mais pourquoi pas moi? Et moi, enfin, j'ai ressenti cette somnolence qui était complètement bénéfique. Somnolence pour un anxieux, c'est une merveille.
Donc, je me suis administré progressivement au protocole que vous voyez, 10 mg, c'est pas la peine d'insister dessus, on le connaît tous, il est dans mes articles, dans mon bouquin, je crois que vous l'avez tous. Et à la dose donc de 240 mg par jour, je suis arrivé à un état d'indifférence complète à l'alcool. C'était étonnant, je montais. À l'époque, je ne savais pas si c'était dangereux ou pas, mais je n'avais pas le choix. Je préférais mourir dignement dans la recherche d'une thérapeutique de l'alcool que d'alcool, ce qui m'attendait de toute façon. Donc, le résultat a été, à 270 mg par jour, quelque chose que je n'ai pas compris, une indifférence complète à l'alcool. C'est-à-dire que j'étais dans un bar, un salon de thé, avec une amie, moi je lisais le journal, j'ai vu quelqu'un à côté de moi qui a, on m'avait dit ne regardez surtout pas l'alcool, etc., etc. Par hasard, je vois quelqu'un qui boit quelque chose de brun, ça pouvait être du scotch ou du cognac, je ne savais pas. J'ai détourné le regard et je me suis dit, mais ça ne t'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. J'ai fait ça à nouveau pour me demander s'il y avait erreur. Non. J'ai regardé les autres. J'ai dévisagé les bouteilles, celles que je buvais, Glenfiddich, ici, ça, ça. Je n'avais aucune réaction. Alors je me suis dit, ok, c'est un rêve, je me réveillerai, c'est impossible, etc. Mais ça a duré. J'ai vu des gens boire, ça ne me faisait plus rien. Je suis resté à 270 mg par jour, dose d'ailleurs inférieure à la dose qu'utilisent les neurologues américains, 300 mg par jour. Ils utilisent 180 mg chez l'enfant pour des troubles complètement bénins, musculaires, spasticité, torticolis. Si vous avez un problème, si vous êtes d'ailleurs, combien d'alcooliques ont été traités sur les malades qui ont de la spasticité, des problèmes musculaires, qui sont traités par 300 mg par jour, il y en a automatiquement 10% qui sont alcooliques. Donc, il faut savoir que depuis maintenant 30 ans à peu près, il y a des gens qui sont traités pour alcoolisme par le baclofène. Donc, quand j'entends ici certains dire « Oh là là, on est des cobayes, on est des nouveaux venus dans le traitement », pas du tout. Ceux qui ont été traités pour l'alcoolisme de façon collatérale, puisqu'ils étaient traités pour un problème musculaire, sont traités depuis des décennies. Donc, il n'y a rien de cobaye. Pour moi, c'était un cobaye parce que je ne savais pas que c'était sûr. Donc, j'ai une indifférence complète à l'alcool, un bien-être que je n'avais jamais connu avant. Alors, j'ai une estime de moi que je n'avais pas du tout. La capacité, cette capacité de parler à une salle de X nombre de personnes, je ne pouvais pas parler à plus d'une ou deux personnes à la fois. Je me raconte dans le livre que j'étais obligé de me, lorsqu'on avait une réunion de cardiologue, avant qu'on découvre que je suis une fraude et que je ne connais rien, un imposteur, je me faisais biper avant que mon tour arrive pour pouvoir partir de la salle et ne pas enfin être mis à nu et que le château de cartes s'effondre. C'est disparu complètement. Je n'ai pas, tout ce qui m'arrivait, je me disais, est une erreur. J'ai réussi tel fac, tel truc, telle université. Ils sont nuls, ils n'ont rien compris. Bon, en tout cas, ce qui s'est produit pour moi, c'est la suppression complète, rapide et sans effort de la maladie. Alors, je me suis dit, c'est quand même incroyable, je n'ai jamais entendu ça en art. J'ai jamais entendu ça dans les cures et je n'ai jamais non plus lu ça dans la littérature médicale. Je me suis dit, c'est quand même curieux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le seul individu sur cette planète qui se promène sans maladie. Et à baclofène, que j'ai baissé à 120 mg par jour, puis ça me suffisait largement. Au début, je ne comprenais pas. J'ai téléphoné à un ami qui était à Jama et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais quand est-ce que je m'envoie l'article? Et je lui ai dit, quel article? Il me dit, écris-le. Et en juin, j'ai commencé à écrire un article qui était mon histoire. Et en demandant à la fin, voilà mon histoire, expliquant les mécanismes, etc. Et en disant, il faut faire, comme on le fait toujours en médecine, et comme le signalait le directeur, des essais randomisés. C'était dans 2004, ça fait longtemps, 6 ans. D'autres personnes m'ont suivi mon cas. J'ai été contacté par William Bucknam à Ann Arbor, Michigan, qui l'a traité, je l'ai aidé d'ailleurs à traiter son patient. Il l'a publié dans la même revue que moi, Alcool et Alcoolisme. Ensuite, Agabio et Adolorato, Baclofen, etc., ont publié un même cas chez un patient schizophrène d'ailleurs. Et à nouveau, ils augmentaient les doses et l'alcoolisme s'arrêtait complètement. La maladie disparaissait. Bon. Qu'est le baclofène? C'est un relaxant musculaire. C'est un agoniste du récepteur GABA-B, c'est le seul agoniste du récepteur GABA-B, qui est utilisé cliniquement pour le traitement de la spasticité musculaire, c'est-à-dire des troubles bénins. C'est pour le traitement de confort. Je dis bien, l'alcoolisme est une maladie mortelle. Ici, il s'agit de troubles bénins. C'est quelqu'un qui dit, docteur, vous comprenez, j'ai eu un accident de voiture et puis maintenant, ça me brûle, ça me pique, ça me fait je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pourriez me donner du baclofène pour me traiter? Pas de problème. 20 mg ne va pas. 40 non plus, 70 non plus. 80, 100,
d'accord. Bon, 200, oui. 300, ok, etc. Il monte à 300 pour une maladie totalement anodine, qui ne fait pas de mort, qui n'a rien. Ça, c'est important de le signaler. Le baclofène est également un anxiolytique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études, comme je les montre ici, qui l'ont montré. Il est non addictif, on ne devient pas dépendant du baclofène, il n'y a pas un cas de dépendance au baclofène depuis 50 ans, et il est surtout générique, donc il n'y a plus de labo derrière. Les effets secondaires en plus de 40 ans d'utilisation, qui sont rapportés pour la spasticité, sont de la somnolence qui tend à disparaître en général en 24-48 heures, ainsi que de la faiblesse musculaire qui peut apparaître, qui est en général souvent de la force musculaire. Les gens l'utilisent chez les athlètes pour augmenter la performance musculaire, puisque c'est un décontracteur musculaire. Il n'y a aucun effet secondaire sévère ou irréversible, n'a jamais été rapporté pour le baclofène en une cinquantaine d'années. Les effets qui sont apparus, des petits états maniaques, etc., ont régressé en général en 2-3 jours. Il y a eu des observations, ils ne dépendent pas du tout de la dose. Ils sont arrivés chez des patients traités pour problèmes neurologiques à 10 mg par jour, et voilà, on en a vu, on en voit à plus, mais ça n'a absolument aucune espèce d'importance, c'est tout à fait réversible. Donc la marge de sécurité, c'est ça, c'est très important à dire, la marge de sécurité de ce médicament est énorme, tout à fait inhabituel. Il y a eu des tentatives de suicide avec ce médicament. Une tentative de suicide avec le doliprane, il suffit en général de 20 comprimés de doliprane pour réussir un suicide. Pour l'aspirine, je pense qu'il faut 20 comprimés, donne une bonne hémorragie digestive, peut donner une hémorragie cérébrale, etc. Ce sont des médicaments vendus OTC, sans ordonnance. Je ne parle pas des autres médicaments qui donnent des effets secondaires, la pénicilline, choc anaphylactique, édème de Quinck, etc. Bon, ici, alors il y a cet article d'en bas, Leung, Australie, alors c'est définissons le spectre de toxicité. Et ils ont pris une série de 23 patients qui ont pris jusqu'à 2,5 grammes, je dis bien 2,5 grammes de baclofène. Ça fait combien de milligrammes? Combien de comprimés? Combien? 250 comprimés. Je ne sais pas où on les met. 250 comprimés, il faut le faire. Bon, ils ont pris jusqu'à 250 comprimés. 23 patients. Ils ont bien sûr été hospitalisés. On les a observés. Certains ont fait des petits ceci, cela. D'autres ont fait. Aucun n'a fait de hyper ou hypotension. Le cœur était normal, etc., etc. Bon, certains ont été observés en soins intensifs pendant 2-3 jours. Ils sont tous sortis vivants sur leurs deux jambes et sans aucune séquelle. Si vous connaissez d'autres médicaments comme cela, indiquez-le-moi, s'il vous plaît, parce que moi, je n'en connais pas. À part l'homéopathie. Alors, pour le mécanisme d'action, le baclofène est le seul agoniste du récepteur GABA-B. Par ce biais, il réduit le glutamate, il réduit donc la dopamine et donc il affecte le système de la récompense. Ce qui est très important à dire, c'est que ce médicament marche donc au niveau du système de la récompense, de l'amygdale, de l'insula, etc. Et de tegmental ventral, et donc au sujet de tout ça, et la dopamine est moins libérée, ce qui fait que la définition de l'addiction, c'est la perte de contrôle. Le boulimique ne peut plus s'arrêter de manger, et là soudainement vous donnez du baclofène et à telle dose la boulimique dit tiens c'est curieux, j'ai besoin que de deux repas par jour. Donc c'est finalement la perte de contrôle qui disparaît. C'est-à-dire avec le baclofène, le contrôle se rétablit et la boulimique ne va pas devenir quelqu'un qui ne boira ou qui ne mangera plus jamais plus, sinon elle dépérit, mais quelqu'un qui mangera 3 repas par jour, comme l'alcoolique sera quelqu'un qui fera le choix soit d'arrêter complètement, soit de prendre 3 verres par semaine, si ça l'amuse, comme tout le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ici on voit que ce médicament, que ces systèmes limbiques, n'ont rien à voir avec le cortex cérébral. Donc les modèles animaux de chez le rat, etc., montrent que le cortex cérébral, qui est plus évolué chez l'homme que chez le rat, ne sert à rien dans l'addiction. Donc dire à quelqu'un, attends, toi tu n'es pas un rat, tu es un homme, donc grâce à la volonté, à l'intelligence, tu vas pouvoir t'arrêter, est une hérésie, dans la mesure où l'intelligence et la volonté ici n'interviennent en rien du tout. Dire aux gens, il faut essayer, il faut, vous pouvez, non. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un, tu sais,
tu peux arrêter de respirer pendant une demi-heure parce que tu en as la volonté et l'intelligence. Essayez. Donc ici, alors l'idée que j'ai publiée ensuite, c'est pourquoi le baclofène marcherait ? Pourquoi le baclofène marcherait alors que rien d'autre ne marche ? Il marche sur le récepteur GABA-B. Il existe un produit qui avait été découvert par Henri Laborie en 1962 et qui s'appelle le GHB, gamma hydroxybutyrate. Ce produit, on avait dit pendant plus de 40-50 ans, on a dit il existe, mais on ne sait pas à quoi il sert. Il est chez tous les mammifères. Et je me suis intéressé à ce que faisaient les Italiens. J'ai vu que, en fait, le GHB agissait sur son propre récepteur, mais également sur le récepteur GABA-B, seul récepteur sur lequel agit le baclofène. Donc le récepteur ayant les mêmes effets, c'est-à-dire les effets sédatifs hypnotiques du baclofène, le GHB agit comme sédatif et hypnotique sur le récepteur GHB. Donc on peut s'y dire, pourquoi il n'y aurait-il pas un déficit en GHB qui fait que ces récepteurs GABA-B ne seraient pas stimulés, et ainsi il y aurait ce qu'on appelle la dysphorie chronique, cette maladie qui est insomnie, dépression, anxiété, etc. S'il manque le GHB, là intervient le baclofène qui supprime tout ça et qui supprime la dysphorie. La dysphorie, c'est l'opposé de l'euphorie, et vous dites « je me sens bien » parce que d'un seul coup, votre récepteur GABA-B est stimulé. Et pour aller un peu plus loin ici, il faut cliquer là. Alors en conclusion, on oppose donc le modèle actuel qui j'ai marqué 2010, enfin il sera encore là encore en 2012 sans doute parce qu'il y en a qui n'en décollent pas, c'est la réduction du craving. Si vous voulez, c'est un peu comme si on vous disait, vous avez mal à la tête, combien 10 sur 10, je vais vous le mettre à 7. Merci docteur. Mais les gens... tout le monde s'identifie à la douleur, à la faim et à la soif. Tout le monde la connaît. Par contre, le craving, certains disent c'est un concept. Je pense que dans la salle, les gens ne savent pas très bien un concept, ceux qui sont alcooliques. C'est quelque chose qui nous prend et qui ne nous lâche pas et à laquelle on ne peut pas résister. Donc, réduction du craving, qu'est-ce qui se passe à la suite ? Réduction du craving veut dire qu'on a du craving, donc il faut faire des efforts, être abstinent, effort permanent pour résister, la qualité de vie est misérable, la rechute et la mortalité. Donc le craving, je dis aussi, est une rechute, est une urgence médicale, puisque quand quelqu'un a un craving, il va prendre la voiture et il va se tuer. Donc le craving doit être combattu au coup par coup, et c'est là que le baclofène intervient, c'est le seul médicament qui puisse non pas le réduire, mais le supprimer. C'est une urgence médicale pour moi, comme une hypoglycémie. Dans mon modèle, qui date de 2004, c'est la suppression du craving. Et quand je dis du craving, c'est des symptômes. C'est le titre de mon article. C'est pas suppression du craving, c'est suppression des symptômes. Et je dis justement pas si je dis du craving. Je crois que oui. Symptoms of alcohol dependence and craving et suppression de, etc. Parce qu'il y a une constellation d'autres qui n'est pas encore bien connue, que je connais, mais je veux dire qui n'est pas encore... je ne peux pas écrire tous les jours 200 livres, etc. Mais il y a d'autres symptômes qui sont très importants. Ce qui se passe, c'est qu'on est donc complètement, non plus du tout abstinent, mais indifférent à l'alcool. Vous pouvez voir la bouteille, vous pouvez regarder aussi un badge, un ordinateur, l'effet est le même, un pot de fleurs. Vous pouvez regarder la bouteille d'alcool, dire tiens, je vais goûter et dire non, j'en ai pas besoin, etc. Donc vous êtes complètement indifférent, chose qui n'avait jamais été décrite dans la littérature médicale, raison pour laquelle il a été publié dans la revue Alcool et Alcoolisme, un peu plus tard dans d'autres. Alors j'ai écrit ce dernier vers, pourquoi ? Je n'avais aucune intention d'écrire un livre, croyez-moi, j'avais autre chose à faire, j'avais une carrière qu'il fallait reprendre, que j'avais interrompue pendant des années. Je n'avais plus mon cabinet, je n'avais plus ça, mais à la fin je me disais que je ne supportais pas d'être le seul sur la planète à avoir une suppression complète de mes symptômes et que les autres étaient traités avec cette stigmatisation et la garantie d'aller à la tombe, puisque c'est le cas de pratiquement tous les patients.
je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors je suis allé voir des scientifiques. Renaud m'a présenté à Paris à un professeur. Nous avons fait un essai clinique, etc. Il se trouve que l'essai a été torpillé alors qu'il arrivait à la fin. J'ai commencé à comprendre. J'étais en contact, je suis en contact avec les plus grands spécialistes dans le monde, que ce soit dans la recherche animale, dans les, au niveau cérébral et au niveau de la recherche clinique. Il y a maintenant 6 ans que je leur demande de faire des essais cliniques, et ce qui paraît maintenant tout à fait anormal, et aux yeux de nombreux médecins qui disent qu'il y a une grosse anomalie, elle n'existerait pas si c'était le cancer du pancréas. Et imaginez, alors bon, elle n'existerait pas, il y a quelque chose d'éthiquement curieux dans cette affaire. Pourquoi les médecins universitaires refusent-ils de faire des essais cliniques, et ils continuent de le refuser? Alors pourquoi n'ont-ils pas intérêt à faire un essai sur le baclofène? Parce que le baclofène marche. Alors il y a 2 choses qui sont très belles dedans. C'est un, pour la première fois on apporte la preuve par le traitement que l'addiction est bel et bien une maladie, puisque quelqu'un qui pendant 20 ans n'y arrivait pas, en 3 semaines y arrive, on dit tiens c'est curieux, le baclofène c'est peut-être là, d'un seul coup il a repris ses sens, ou un peu de cognitif, ou je ne sais quoi. Non, quand quelqu'un en 2 semaines ou en 10 jours, qui n'a pas pu devient d'un seul coup complètement indifférent à l'alcool, ça montre que c'est une maladie biologique. Et par ailleurs, donc, ça montre que, aussi que ça fait trembler un bon nombre de gens qui se disent « Mais bon sang, si on fait un essai du baclofène contre les médicaments, on aura évidemment le résultat qu'on aura. » C'est-à-dire on dira « Le baclofène marche comme dans l'étude qu'on a fait avec Renault, 88% de résultats, c'est pas si mal, alors que c'est 0% ailleurs. 88%. Mais chez les autres, c'est zéro. Le médicament et le placebo. Donc ces médicaments sont inefficaces. Ici, on a 88%, d'autres séries, on est un peu 90 ou 12 ou 100. Donc ce qui est grave, c'est que ces universitaires ne le font pas. Donc il y a un grand problème éthique dans tout ça. J'écris donc cela parce que en 2008, avant la sortie de mon livre, j'ai mis 3 ans à écrire ce livre. Hein. J'aurais pu faire autre chose. Il y a des choses plus amusantes que j'aurais pu ouvrir un cabinet. Mais avant 2008, de 2004 à mon article, à mon papier, il y a eu 12 patients guéris, aucun essai. Après 2008, après la sortie de mon bouquin, il y a 600 patients guéris répertoriés, plus des centaines que je ne peux même pas compter. Je reçois des mails, des posts internet, etc. Des gens me le disent, donc des milliers probablement de patients guéris, plus des essais. Maintenant, je ne dirais pas que ces essais sont prometteurs. Certains me les promettent. Ça fait longtemps qu'ils les promettent. Ils se dépromettent, etc. Donc, les essais, nous n'y croyons plus beaucoup, au point que maintenant, les véritables autorités de la médecine, que ce soit Jérôme Posner et autres... vous aviez dit quelque chose, monsieur le directeur, qui était les publications, etc. Posner, qui est le... c'est Stupor and Coma, Posner et Plam, en fait, qui est une autorité de la neurologie dans le monde, ainsi que de nombreux maintenant disent, écoutez, cette unwillingness, comme ils disent, le fait qu'il y ait obstruction de la part de tous les genres de l'addiction à faire des essais cliniques, fait que finalement, ces experts s'excluent de leur propre domaine, et que de toute façon, maintenant, avec ou sans essais cliniques, c'est le bouche à oreille, qui fait que maintenant les gens annoncent aux États-Unis 80 patients guéris, 60 patients guéris, des professeurs d'université, que je suis invité à Harvard et qui me disent « Bon, on s'en fiche des échecs cliniques, laissez-nous, montrez-moi comment on fait. » Roger White, chef de service à Harvard d'addiction, me dit, c'était le 14 avril, « Écrivez-moi l'ordonnance type. » Et on le fait. Et maintenant, je suis en correspondance avec eux, ils me disent « On a maintenant 20 traitements traités, on n'arrive pas à croire ce qui se passe. » Et les essais viendront, s'ils viendront, et puis sinon, tant pis, ça sera utilisé comme énormément de médicaments auraient même. Ça, c'est une chose maintenant courante en France. Donc, voilà, le nombre de patients, c'est pas très important. Ça, c'est ma bibliographie. On peut pas dire que j'ai pas publié. Il y a JAMA 2 fois, il y a Lancet, il y a ceci, il y a cela, etc. De nos universitaires américains, je crois pas qu'il y a un tel paquet de publications, en particulier en seul auteur. Mais enfin, bon. Et ça, c'est un papier qu'on a fait avec Renaud et lui a fait, puisque c'est lui qui a tout fait. Dans les annales médico-psychologiques de 2010, on a donc comme chiffre 88% de suppression de la dépendance. Encore une fois, comme je le dis, le chiffre à comparer est 0% pour tout autre essai clinique réalisé jusqu'à ce jour, y compris dans le groupe traité, le groupe placebo.
Donc, ce qui est intéressant, une fois, ici, c'est que le traitement, le baclofène apporte la preuve que l'addiction est une maladie. Ça sera une des rares maladies où on dira, bien sûr, c'est une maladie puisque le baclofène la traite. C'est pourquoi, encore, les essais cliniques du baclofène sont bloqués par les addictologues universitaires qui, probablement, il faut bien s'attendre à ça et ne pas en pleurer. C'est pas très grave. Ça fait son chemin, le bouche à oreille va, les gens le prescrivent et ça se fera. Si un jour, dans 5 ans, 8 ans, un essai se fait, ça sera tant mieux. Et en plus, il sera peut-être mauvais, comme les essais du Vioxx, etc. Donc, on attendra et on verra. Mais tout ça est extrêmement encourageant. Je regarde s'il n'y a pas deux, trois petites choses, et puis je vous laisse la parole, que je n'ai pas dit. On va me objecter, oui, mais vous comprenez, il y a un peu de somnolence dans la leucémie, avec le baclofène. Il y en a avec le rhume des foins, il y en a avec tous les médicaments. Et si, par exemple, vous disiez le baclofène marche dans la leucémie ou dans le cancer du côlon, bon, vous diriez quoi? Oui, mais il y a de la somnolence. Vous diriez, on saute dessus parce que ce médicament n'a aucun effet secondaire connu, alors que les aplasies que l'on voit chez le leucémique, les gens perdent leurs cheveux, etc. Et on n'a jamais dit qu'il fallait arrêter. Alors quelqu'un me dit, j'ai des nausées, j'arrête le baclofène. Quand on a un cancer du côlon, on a des nausées, on n'arrête pas la chimiothérapie. Donc, une autre chose que je n'ai pas montrée, je crois, c'est l'ordonnance type. Que reçoivent comme ordonnance les médecins, les patients, et ça, je crois qu'il y a assez de personnes pour pouvoir l'attester, l'ordonnance type que l'on reçoit lorsqu'on va voir un alcoologue, c'est un anti-craving, du Valium ou du Seresta, au long cours, qui est oral même. Parce que c'est prescrit et contradiqué d'ailleurs. On ne prescrit normalement le Valium au long cours, c'est le Vidal. Hein. On n'a pas le droit de prescrire ces médicaments longtemps. Même chose pour le Stilnox. Même chose pour toutes ces molécules qu'on a le droit de prescrire que pour 3 semaines. Donc c'est une contre-indication absolue de les prescrire. Ils entraînent des troubles de mémoire et en plus des dépendances ajoutées à celles de l'alcool. Donc la prescription hors AMM est courante et de plus faite hors indication et de plus lorsqu'elle est contre-indiquée. Je vérifie encore que je n'ai pas oublié un mot, et je crois que non. Et je vous laisse la parole. Pour ceux qui parleront de l'effet placebo, parce qu'on peut toujours en parler, ça devient c'est la même ritournelle depuis longtemps. Je vous poserai la question. Bien sûr, il y a toujours un effet placebo, mais si vous prenez des non-voyants, des gens atteints de cécité, vous leur dites, parce que comme à Mézène, l'a fait, c'est un médecin qui l'a fait, alors du coup, maintenant, tous les alcooliques vont devenir guéris. Je ne sais pas combien de non-voyants, si on leur donnait du baclofène, se mettraient à voir. Peut-être 2%, hein, mais je crois que, et si ça marchait, il faut le faire. Mais donc, l'effet placebo marche, mais il y a quand même des petites limites. Autre chose que je n'ai pas dite, c'est que je ne peux pas rechuter. Vous pouvez me mettre un pistolet, un revolver sur la tête, je ne peux pas rechuter. Parce que je n'en ai pas envie. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que je n'ai pas été long. Par contre, s'il y avait des questions et réponses, ce qui se fait régulièrement ici. Oui, mais je dirais à la fin, juste quelques-unes pour qu'on soit dans le vif du... je sais pas, moi, 5-6. Parce que ça se... Oui, mais sur le truc... C'est... Alors, à chaque fois que je donne ce cours, il y a peut-être 5 minutes. S'il y en a d'ailleurs, je sais pas, il y en a pas. Non, il y a des questions-réponses. Il y a des questions. Zéro question. Oui. Oui, monsieur. Un micro, oui. Allô. Oui. Voilà, si vous pouvez vous présenter quand vous posez une question, merci. Alors, je commence par me présenter. Premièrement, je n'ai pas l'expérience du baclofène, puisque je suis chirurgien urologue, mais je l'ai connu chez les paraplégiques spasmodiques à 40 mg par jour. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, bien qu'urologue, je suis un peu comme vous, j'ai fait beaucoup de médecine générale, j'ai même fait des remplacements en addictologie, et c'est ce qui m'amène ici, parce que, bien que je n'ai pas encore lu votre livre, j'ai voulu, lors de mon dernier remplacement en addictologie, implanter le baclofène et j'ai rencontré la résistance que vous avez compris. Et moi j'ai entendu que si le baclofène marche dans le service où j'étais, eh bien ce service allait fermer comme les sanatoriums ont fermé en 1956 lorsque la rifadine a fait sa preuve en 6 semaines de l'éradication du bacille de corps.
Merci beaucoup. Cette semaine, une patiente qui a vécu des drames affreux à cause de son alcoolisme, sur tous les plans. 60 mg par jour de baclofène, il y avait un petit effet. 90 mg, indifférence totale à l'alcool avec toutes les conséquences que vous avez citées. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce que vous avez dit, c'est plusieurs choses. Je suis par ailleurs cognitiviste et comportementaliste. C'est une des théories des comportementalistes et cognitivistes de dire que la maladie se résume aux symptômes, et si vous guérissez les symptômes, non seulement vous guérissez la maladie, mais en plus vous améliorez tout le reste dans la vie du patient. C'est exactement ce que vous observez ici. En ce qui concerne la méthode des essais cliniques, en réalité, les essais cliniques contre placebo sont faits pour les médicaments qui marchent peu ou qui ne marchent pas. Quand un médicament marche, on n'a pas besoin d'essais contre placebo. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de ça. Il faut publier des cas. Un cas unique suffit, le vote suffit. C'est-à-dire que s'il est répliqué une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 3000 fois, et c'est probablement le cas parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont été aidés et qui ne sont pas publiés. Moi, par exemple, j'ai plusieurs patients, j'ai jamais fait de publication. Alors, c'est vrai que si les centres d'addictologie disparaissent parce que beaucoup de patients, ça ne faut pas non plus peindre la vie en rose, c'est-à-dire que tous les patients ne sont pas guéris. Donc, les addictologues auront encore un peu de travail, mais je veux dire, c'est quand même scandaleux d'entendre ça. C'est vraiment, mais il faut dénoncer cette attitude qui est réelle, parce que je ne vais pas citer de nom, j'ai certains collègues addictologues qui font la fine bouche, qui baclofène, oui, oh, tu crois, bon. Donc je crois qu'il faut peut-être accentuer les publications. Bon, je dirige une revue, donc je vais vous laisser la parole pour publier des cas, etc., ainsi qu'au docteur Borpère, pour que l'idée s'infiltre petit à petit. Tout le monde a peut-être en mémoire ce qui s'est passé pour l'ulcère de l'estomac. Un chercheur a dit, écoutez, c'est une bactérie, il faut traiter la bactérie, vous traiterez l'ulcère. Mais monsieur, vous êtes fou, c'est un scandale, c'est un canular, c'est une imposture. Il a fallu du temps, il a fallu des années, mais maintenant, plus personne ne le conteste. Je pense que pour le baclofène, c'est exactement ce qui devrait se passer. En tout cas, c'est ce que je prévois. Pour une fois, je vais faire une prédiction. Merci beaucoup. Ça nous fait un universitaire de plus dans notre besace. Monsieur veut pas. Oui, bonjour, je suis le docteur Criquillon. Je ne suis pas universitaire. Je travaille dans un service universitaire en addictologie. Je m'occupe de troubles du comportement alimentaire. Et depuis un an, avec l'arrivée d'un universitaire dans notre service... Nous nous occupons de sevrage alcoolique. Et je n'ai pas rencontré, en discutant avec lui, d'opposition massive sur le mode, le baclofène, je ne veux pas en entendre parler. Et je voudrais juste apporter ce témoignage-là en disant que c'est plus, sans doute, pour rejoindre ce que dit Bernard Granger, on a tous des cas cliniques qui fonctionnent avec baclofène ou qui ont fonctionné avec Revia, y compris dans les troubles alimentaires. Je crois que... on n'a pas osé donner ce baclofène à des doses suffisamment élevées pour en avoir une conviction totale. Et je crois que ce soit de l'opposition systématique. Et j'entends tout à fait ce que dit Bernard sur la nécessité que nous avons de devoir publier les cas qui fonctionnent et puis petit à petit de mettre en place des essais cliniques. Si le produit n'a vraiment pas d'effet toxique, même à haute dose, on ne voit pas pourquoi sur le papier on ne pourrait pas proposer de faire des essais, y compris dans des services universitaires. Je rappelle, je ne suis pas universitaire. Juste une petite réponse avec le mauvais micro, on m'entend là ? Bon, tout à fait, moi je suis prêt à faire des essais cliniques, les publier dans une trentaine d'années, etc. En attendant, 120 personnes meurent par jour. Donc si on s'amuse à aller faire un protocole d'essai, recruter les gens, les chercher, etc., on en aura pour au moins 2 ans à cocher une compte, 2 ans pour un article médiocre. En le temps de le publier, on aura encore 1 ou 2 ans avec les reviewers, etc. Il sera enfin publié, discuté, etc. Et dans 3 ans, ça fera en France, il y a 45. Aux États-Unis, 300 000.
000 morts par an, ça fait 300 000 personnes. Depuis que j'ai écrit mon article, il y a 500 000 de morts aux États-Unis seulement. Donc je suis tout à fait d'accord. C'est moi qui ai le premier. Moi, je voulais pas écrire un livre. Je demandais, faites les essais. Ils ne sont pas faits. Si les gens veulent bien nous rejoindre et faire de la science, ce qu'on appelle la médecine basée sur des preuves, c'est-à-dire faire leur travail, c'est ce que je leur demande depuis 5 ans, le jour où ils voudront bien faire leur job, pour lequel ils sont payés, par nous d'ailleurs, eh bien qu'ils le fassent. Mais en attendant, on ne va pas laisser périr les patients qui, eux, n'ont pas la MM, le ceci, le cela, le blablabla. On traite, nous sommes médecins, à titre compassionnel, des gens qui sont au bout du rouleau. C'est ça qui est important. Alors, donc, les universitaires qui n'ont pas rempli leur mission et qui ont fait traîner les choses pendant bien trop longtemps commencent à s'intéresser, on va dire, comme on dit en anglais, too little, too late, hein, trop peu, trop tard. Il fallait se bouger il y a 5-6 ans. Mais qu'ils le fassent entre eux, ça ne nous dérange pas. Non, il faut très bien. De toute façon, comme me disent maintenant les médecins américains, on s'en fiche de leurs publications et elles seront peut-être même mauvaises. En attendant, on traite les gens, on les laisse, à moins qu'on dise on sacrifie les patients pendant encore 5-6 ans en attendant les publications. Moi, c'est pas mon choix. Non, pas du tout. Là, je suis très ferme et très clair. Donc moi, je suis pas médecin, je suis juste malade guéri au baclofène. Donc la question, c'est si la raison n'est pas celle que vous indiquez, donc ça marche ? Bon, donc si c'est pas pour la raison que vous indiquez, donc quelle est la raison pour laquelle il n'en donne pas ? Alors on l'utilise, moi j'ai vu plein d'addictologues qui m'ont dit non. Hein, donc moi j'ai utilisé le baclofène pour autre chose que l'alcool, donc pour de la codéine. Hein, donc faut peut-être préciser que ça marche pour d'autres choses que l'alcool. Voilà. Donc vous disiez tout à l'heure que le paracétamol est mortel, et ça c'est vrai. Donc en France, on donne la codéine avec du paracétamol. Donc moi, je consommais 64 comprimés par jour. Hein, donc au niveau de la dose mortelle de paracétamol, j'étais bien au-delà. Cela dit, les addictologues m'ont dit non, vous n'en aurez pas, du baclofène. Pour quelle raison ? On ne sait pas. On m'a dit, vous croyez au médicament miracle. Voilà. Donc, on m'a dit, vous attendez un traitement miracle. Donc moi, j'ai dit non, j'attends un traitement tout court. Mais cela dit, ça ne les a pas convaincus. Alors la raison, si vous dites la raison, ce n'est pas celle qu'on indique ici, donc je voudrais savoir quelle est la raison. Bonjour, Serge Piquenot, moi aussi je suis malade. Une bonne nouvelle, je suis indifférent depuis 2 jours. Super. Alors, inutile de vous dire que je vous remercie du fond du cœur, professeur Amundsen, mais aussi toute l'équipe, tous ceux qui ont su mettre tout ça en place, l'association Aube. J'ai 15 ans de lutte contre l'alcoolisme. Comme vous, j'ai fait des cures, et je connais tous les brins d'herbe de l'hôpital Saint-Cloud par leur petit nom. Si bien que maintenant, je ne peux plus faire de cure là-bas. Pour reprendre le sujet, récemment j'ai rencontré mon alcoologue que je trouvais rock'n'roll parce que j'avais rencontré un peu en dehors, est habillé avec son tiag et tout. Pour moi l'esprit rock'n'roll c'est un esprit ouvert et tout. Ça fait 10 ans qu'elle me suit. Et quand je lui ai parlé du baclofène, là j'en ai pris plein la tronche. Ça a duré à peu près 10 minutes, j'ai pas pu en placer une. Visiblement, c'était un discours préparé. D'abord, le professeur Amundsen n'est pas alcoologue, il est seulement alcoolique. C'était à ce niveau-là, quand même. Hein. Et j'avais extrêmement confiance envers ce toubib, Et donc, j'en ai entendu un peu de tout. J'étais un peu scotché sur ma chaise, quoi. Puis, j'ai pas jugé utile de reprendre. Et une grande partie de son discours a été de faire en sorte de me convaincre de cesser le baclofène pour repartir dans le système normal de cure. Voilà. Et j'avoue, je suis ressorti là-dedans. J'étais un petit peu sonné quand j'en ai parlé à mon médecin traitant, le docteur Faisandier, qui est là, et qui est aussi ma compagne. Elle aussi elle était pas si étonnée que ça parce qu'elle connaît assez bien le système. Et donc pour aller dans le sens de ce que j'ai entendu de la part des médecins, je confirme qu'il y a effectivement une fin de non-recevoir. Et je trouve ça d'autant plus dommage que si ces gens-là pensent
que le baclofène va remettre en cause leur métier, ils se plantent complètement sur leur métier, parce que l'alcoolisme, c'est la prise d'alcool, mais c'est aussi, à 80%, à mon avis, je dis ça au pif, des problèmes psy, des problèmes d'environnement, des problèmes professionnels. Quand on a arrêté de boire, il faut reconstruire une vie complète, une vie familiale, une vie amoureuse, une vie affective et une vie professionnelle. Et là, on a besoin d'être accompagné. Alors, peut-être que les alcoologues ont un petit problème pour la plupart, parce que j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de formation psy. Et ça, ça m'avait choqué, par contre, parce qu'à chaque fois, on m'a envoyé vers un psy, l'hôpital, mais pour un malade, passer de tout bib en tout bib, on a l'impression qu'on nous change de case. Et ma compagne, le docteur Faisandier, m'a expliqué comment ça fonctionnait, où effectivement, il y a pas mal de médecins. Je suis alcoolique, je traite l'alcoolique, je traite son alcoolisme, et après je le passe à mon copain le psy, qui lui va traiter ses problèmes psy. Pour le malade, c'est un peu lourd à gérer, parce que faut répéter ses discours, et tout un chacun ici, soit parce qu'ils sont médecins, soit parce qu'ils sont alcooliques comme moi, répéter sans cesse le pourquoi du comment, ça fatigue le bonhomme. Voilà, je tenais à vous faire part de ça. Alors, Olivier, tu ne peux pas répondre à ça, puisque tu n'es que alcoologue. Mais j'en profite pour dire que alcoolique, pardon, tu vois. J'en profite pour dire à ce monsieur et à tous mes amis généralistes que les généralistes, ils savent tout faire, pas très bien, mais tout faire. Donc ils sont alcoologues, ils sont psy, ils sont tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est alcoologue ? Moi, les alcoologues que j'ai rencontrés, pour moi, parlaient, comme je vous le disais, une langue étrangère. Et je ne... Tous, les uns après les autres. Et donc, aller me confier à un alcoologue, j'avais... Enfin, je ne comprenais pas très bien leur langage. Donc, ce n'est pas ici quelque chose pour... ce n'est qu'une expérience personnelle. Mais je n'ai jamais entendu voir des alcoologues à la télévision ou je ne sais pas quoi dire des choses qui m'intéressaient beaucoup parce qu'ils... Ils vivent, ils sont un peu fossilisés dans un domaine où les malades étaient... Bon, ben, vous ne voulez pas arrêter de boire, tant pis, moi j'abandonne, etc. Mais moi, j'ai vécu avec des alcooliques. Je leur ai parlé du matin au soir. Je me suis réveillé pendant des jours. C'est là. Les alcoologues, peut-être, devraient aller dans les centres de cure. C'est là qu'on connaît le patient. C'est pas en 10 minutes dans un endroit où quelqu'un vient vous dire « Bonjour, je suis alcoolique. D'accord, je vous renouvelle vos tendances. » Il faut passer beaucoup de temps avec un alcoolique et ou peut-être un conjoint d'alcoolique pour comprendre cette maladie qui est extraordinairement à la fois simple, mais extraordinairement, elle est très complexe quand on ne la comprend pas. Elle est très simple quand on la comprend. Si vous me disiez demain, j'ai deux patients, je suis cardiologue, j'ai deux patients, un qui est alcoolique et l'autre qui a une hypertension artérielle, je dirais, de grâce, envoyez-moi l'alcoolique, parce que en deux semaines, c'est réglé. On monte la dose et c'est fini. Celui qui a l'hypertension, il va falloir monter, changer, etc. On va tâtonner, ça peut durer 2-3 mois. Donc l'alcoolisme se traite extrêmement facilement, à condition, un, de savoir ce que c'est, de le connaître, de comprendre, et deuxièmement, de connaître le baclofène. C'est tout. Oui, excusez-moi d'intervenir encore, mais c'est juste pour un petit trait d'humour, reprendre ce que dit le docteur Jaume, parce que si le professeur Amundsen n'est pas alcoologue, mais seulement alcoolique, 5 minutes après, le même médecin me conseillait et me disait que les médecins généralistes, ce que je conteste pas, étaient capables de traiter l'alcoolisme.
ça, la contradiction du discours m'a beaucoup amusé. Oui, il y a, je peux vous dire toujours que je suis membre de la société, j'ai été fait membre de la Société européenne de recherche biologique en addiction dès 2006 et que mon université m'a nommé expert international en alcoolologie. Alors si ça, c'est pas de l'alcoolologie et c'est américain maintenant, ça, peut-être qu'en France, ça passe pour du je sais pas quoi, mais c'est reconnu à l'étranger, je peux vous le dire. Et la société anglaise dit que mon livre, et de nombreuses universités disent que mon livre est maintenant la référence pour entrer, pour avant d'entrer dans tel laboratoire postdoc, etc. Donc je pense que j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Merci. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis pas du tout addictologue ou quoi que ce soit, donc je fais partie des patients. Donc j'utilise le baclofène depuis plus d'un an. Donc aujourd'hui je suis abstinent depuis 105 jours, donc ça fait une petite période. Je voulais vous remercier pour votre livre qui m'a permis de changer effectivement ma vie. Et j'ai une simple question, enfin deux, trois petites questions à vous poser qui sont très rapides. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous étiez parti aux États-Unis et vous étiez mis en fait à boire de l'alcool pendant des fêtes, quand on vous demandait de jouer au piano. Est-ce que c'est à partir de l'âge de 30 ans, parce qu'apparemment vous êtes parti à l'âge de 30 ans, que vous êtes mis à boire, première question. La deuxième question est de savoir si aujourd'hui vous continuez à être traité sous baclofène. Si oui, à quelle dose vous êtes actuellement, ou si vous oscillez entre une dose et une autre. Et est-ce que vous évoquez aussi l'éventualité d'arrêter le baclofène, puisque en parallèle, moi je suis un traitement psychothérapeutique, et mon psychothérapeute voulait être là aujourd'hui, mais il a quelque chose à faire avec sa fille, donc il a malheureusement pas pu être présent. Et lui, son idée, effectivement, c'est que tous les problèmes d'addictologie, en particulier l'alcool, qui est une dépendance très forte, à laquelle j'ai eu beaucoup de mal aussi à me défaire, provient souvent d'événements passés qu'on peut, par un accompagnement, effectivement résoudre et en fin de compte, ne pas être vraiment malade, comme on dit la plupart du temps. Voilà. Merci. Vous en prie. Alors, la première question était le... Pardon ? Oui, j'ai commencé donc aux États-Unis vers une trentaine d'années. Ensuite, la deuxième, je ne sais pas. La troisième était, quelle est la dose que je prends ? Je dirais que ça n'a vraiment pas d'intérêt parce qu'elle est personnelle, varie de personne à personne. Il m'arrive d'en prendre peu, il m'arrive d'en prendre beaucoup d'ailleurs, et je peux en prendre parfois 100 mg d'un coup. C'est très variable et ça n'a d'ailleurs pas d'importance. Moi, je ne la prends pas du tout avec l'idée, avec des pensées d'alcool. L'alcool, pour moi, est quelque chose qui est complètement oublié. Pour moi, ça fait 7 ans, au Nouvel An, il y a des verres d'alcool et j'en ai, je dirais pas un dégoût, mais ça ne me porte plus rien. Donc, je ne bois plus du tout. Alors qu'à un moment, j'avais un peu bu. Maintenant, ça ne me fait rien. J'aurais l'impression de gâcher le bien-être. Je le prends pour le bien-être que j'ai et que je ne l'avais jamais connu auparavant. Arrêter le baclofène, bon, c'est un peu comme si un patient qui avait un cholestérol dramatiquement élevé, qui l'a conduit à 2 infarctus, me dit, vous savez, maintenant je vais réduire mon médicament contre le cholestérol et mon antihypertenseur, alors que j'ai fait 2 infarctus sévères, etc. Je dirais, écoutez, est-ce qui vous dérange tellement ces médicaments, parce que vu votre passé, je dirais, connaissant, à moins que votre passé soit gentil et que vous n'ayez jamais eu de problème avec l'alcool, mais si vos problèmes avec l'alcool étaient graves, je serais extrêmement prudent quant à moi. Et je n'arrêterai pas le baclofène comme ça parce que vous ne savez pas où vous allez. Hein. C'est-à-dire, regardez où vous êtes, et je crois que c'est relativement miraculeux, on va dire. Enfin, regardez où vous étiez, regardez où vous êtes, et arrêtez le baclofène comme ça pour rien. Parce que quel est l'inconvénient de continuer le baclofène puisque les neurologues le donnent pendant 20 ans à des gamins de 14-15 ans pour des troubles bénins. Je crois que se priver d'un médicament complètement anodin serait dangereux. Personnellement, je ne le ferais pas. Enfin, et après, vous pouvez toujours le reprendre. Hein, si vous me rappelez, vous me dites, vous savez, maintenant j'ai chuté, je suis dans le caniveau, etc. Bon, on le reprendra, mais on peut mourir. Hein. L'alcoolisme est une maladie grave. On peut mourir alcoolisé. Oui. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Agnès Janson et je prends un risque, effectivement, en disant que je suis médecin addictologue, et notamment alcoologue et tabacologue. Mais si je suis ici, c'est justement parce que je veux en savoir plus et que je veux effectivement aider mes patients. Et j'étais effectivement très dérangée par le débat un peu polémique qui a été un petit peu évoqué sur le fait qu'on risque de mettre la profession d'addictologie à mal. Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je suis donc médecin alcoologue depuis de nombreuses années. Ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est une approche globale d'un patient, d'une personne en souffrance, tant dans son rapport avec un produit que dans son rapport avec elle-même et avec les autres,
Donc c'est une approche pluridisciplinaire. Et pour moi, c'est toutes ces dimensions qui sont extrêmement importantes et qui doivent être prises en compte dans l'approche de cette maladie. Le concept maladie existe aussi depuis, je dirais, les années 70 avec le professeur Fouquet, qui a donc, et c'est depuis ce temps-là que l'on s'intéresse à la maladie alcoolique dans tous ses aspects, y compris les aspects neurobiologiques. Donc effectivement, moi je suis très intéressée par cette, ce nouveau médicament, parce que je rejoins les autres médecins de la salle qui disent qu'à partir du moment où on peut aider un patient, on ne va pas se poser de questions. On va tout faire, surtout par rapport à une maladie aussi dramatique. Mais encore, effectivement, on n'a pas vraiment suffisamment d'études, c'est pour ça que je viens ce matin. Par rapport au baclofène, on nous reproche de ne pas le prescrire. Mais en tant que médecin, si on fait n'importe quoi, on se fait aussi taper sur les doigts, il faut le savoir. Hein, parfois certains patients, je ne dis pas les patients malades alcooliques, hein, mais dans toutes les spécialités, on est obligé de garder nos cadres. Oui, parce qu'autrement, on prend des risques aussi d'être mis devant les tribunaux. Donc, moi, si je ne prescris pas le baclofène, c'est que je n'avais pas suffisamment d'éléments et de recul. Hein, c'est pour ça que je viens ce matin. Si on me dit que le baclofène, maintenant, on a suffisamment de cas et de situations et de personnes qui vont beaucoup mieux avec le baclofène, je ne vais pas me gêner. Hein. Mais je pense que ce qui me gêne, en fait, ce matin, c'est le côté polémique. Hein. Parce que je pense que depuis quand même de nombreuses années, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour accompagner des personnes en souffrance avec l'alcool. Il y a beaucoup de patients alcoolodépendants qui ont quand même réussi, entre guillemets, à se reconstruire, à reconstruire une vie sans alcool et à reconstruire une vie, je dirais, conforme aux critères OMS de la santé. Hein, parce que les critères OMS de la santé, je vais résumer, c'est être bien dans sa tête, être bien dans son corps, être bien dans son environnement. Ça ne veut pas forcément dire être capable de boire de l'alcool. Donc on a aidé quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, en fait je dis pas on les a aidés, parce que ce sont les patients qui sont les principaux acteurs de leur guérison. Donc c'est ça qui me gêne un peu ce matin, c'est le côté polémique, comme si tout ce qu'on avait fait avant n'avait aucune valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de patients, moi que j'accompagne, qui vont mieux, qui retrouvent un équilibre de vie, bien sûr, l'abstinence comme vous le dites, qui est un réel combat, mais qui au fur et à mesure des années qui se passent, il y a des patients qui arrivent à éprouver cette fameuse indifférence par rapport à l'alcool, c'est-à-dire que boire ou pas boire, ça ne leur pose plus de problème. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent, mais malheureusement, on ne peut pas faire d'études parce que ces patients-là, quand ils vont bien, on ne les voit plus. Hein, et nous, on revoit dans nos centres de consultation et dans nos centres de cure que les patients, entre guillemets, qui ont, entre guillemets, des complications dans le sens où ils se réalcoolisent. Voilà. Donc, en fait, moi, oui, au baclofène, et je suis contente que ce débat ait lieu ce matin, mais je pense que si on veut avancer, il faudrait éviter d'aller, entre guillemets, du côté de la polémique où tout ce qu'on a fait avant, c'était nul, entre guillemets, un schématise, et où maintenant on arrive à quelque chose de nouveau. Non, on va construire ensemble une avancée, et je pense que si on est ouvert à tout ce qui peut aider les patients, enfin moi je suis de celle-là et de ceux-là. Oui. Merci beaucoup. Juste en vous remerciant pour vous dire que la polémique était tout à fait, lorsqu'on entend monsieur, je n'ai pas saisi votre... Pardon ? Monsieur Doremieux, lorsqu'on entend le professeur Granger, etc., il n'y avait aucune polémique. Nous signalons qu'il y a des gens qui mettent, et nous le savons, des bâtons dans les roues à des essais cliniques. Maintenant, c'est leur fait, on n'y peut rien, on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils font. Mais nous, au contraire, nous sommes positifs et nous savons que de notre côté, avec nos moyens, nous continuerons. Le docteur Joussaume préside cette remarquable association. Anirap donne tous ses efforts. Noël est là avec moi. On est solide. Hein. Renaud de Beaurépère ici aussi. Et on ne polémique pas. On est attaqué souvent. Et parfois, on est obligé de répondre à des attaques. C'est tout. Oui, Pierre Leclerc, je fais partie de la troisième catégorie d'adhérents de l'association. C'est-à-dire que je suis ni médecin, ni malade. Je suis simplement sympathisant. Alors, je voudrais d'abord dire que je connais des gens, effectivement, qui vivent de l'actologie et qui ne veulent pas entendre parler de baclofène parce qu'effectivement, ils voient leur gagne-pain qui est mis en cause.
je vous assure, il y a des amis, je veux dire, ce sont des gens que je considère comme honnêtes, normalement honnêtes, sincères, etc. Mais c'est plus fort qu'eux, c'est tripal, c'est comme l'ouvrier du, je sais pas, du chantier naval qui ne veut pas devenir un marchand de pizza, c'est tout, c'est humain, c'est humain. Alors c'est peut-être pas très légitime, mais c'est humain. Donc je crois que ce ne sont pas des criminels, simplement, c'est quelque chose quand même qui pose problème, parce que ça dure, parce que ça ne fait pas simplement 4 ans qu'il y a du sabotage. Je veux dire, depuis les années 90, il y avait des publications sérieuses qui mettaient sur la piste. Pourquoi il a fallu que ce soit un MSN qui est le seul, parmi tous ceux qui n'étaient pas payés pour le faire, qui y pense. Je veux dire, c'est déjà un petit peu curieux, et on nous a ouvert des horizons en disant que c'est peut-être depuis 70 qu'on a oublié, curieusement, de creuser la piste du baclofène. Bref. Donc, vraiment, je crois qu'il faut le faire. Alors, plutôt que de parler de chaque cas d'addictologue ou d'infirmier, etc., qui en vit, parce que bien sûr, il y a de tout, il y a des crapules, il y a des gens très honnêtes, il y a des gens très sincères, etc., il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont des instances. Les professionnels d'addictologie, il y a des grosses sociétés, ils se tirent un peu la bourre entre eux, mais enfin, il y a quand même plusieurs instances syndicales, en quelque sorte, associatives. Alors, on sait que les majoritaires, les grosses instances majoritaires des alcoologues ont saboté les expériences depuis 2005. Je peux vous témoigner qu'en 2008, j'avais lancé une pétition pour soutenir les essais du baclofène. J'ai envoyé un mail en annulant tout, en disant « c'est gagné ». Parce que l'AFP, l'agence AFP, avait dit, le professeur, etc., a annoncé qu'il était favorable aux essais pour le baclofène. J'ai démotivé, j'ai arrêté la pétition, parce qu'il avait annoncé que c'était fait. C'était en novembre 2008. On est en 2010, elle n'a pas commencé, elle va être limitée à 90 grammes, c'est un petit peu gênant. Et alors ensuite, je vais citer un nom, parce que je ne comprends pas pourquoi les autres intervenants n'ont pas cité le nom des saboteurs. Il y a une instance minoritaire parmi les alcooliques qui s'appelle l'alcoologie plurielle. Elle est réputée libérale, donc à peu près un peu plus ouverte que les autres. Et comme je connais leur vice-président, qui est lyonnais et qui était favorable au baclofène, je m'étais adressé à lui pour savoir si l'association pouvait effectivement appuyer la demande d'essai de 2008. Et il m'a envoyé à son président, parce qu'il était à la retraite, il m'a dit, voyez Zolotareff, je ne vois pas pourquoi on ne citerait pas M. Zolotareff, Zolotareff, président d'alcoologie plurielle, c'est-à-dire d'un mouvement qui représente à peu près 10% des alcoologues, mais dès que j'ai prononcé le mot de baclofène, mais j'ai été plus bas que terre, je veux dire, ça lui était la peine, je veux dire, j'ai abandonné, il m'a jeté. Voilà, donc c'est pour témoigner. Alors par contre, ce qui est plus, et là je termine par une question, ce qui est le moins des choses de la part des adhérents de base, une question, ce qui est quand même plus étonnant, qui m'interpelle plus, pardon, c'est l'attitude ou le silence des associations d'anti-alcooliques, enfin pardon, d'anciens alcooliques, excusez-moi. Des anciens alcooliques, la Croix-Bleue, Alcooliques Anonymes, il n'y a pas que les Alcooliques Anonymes, il y en a 4 ou 5 en France, là aussi, qui se font un peu concurrence, mais enfin, qui existent chacune. Je suis un petit peu étonné, depuis 2 ans qu'on en parle, qu'effectivement, il n'y en ait aucune qui soit plus active pour faire le bouche-à-oreille. Hein, voilà. Parce que, alors, est-ce qu'ils sont vraiment indoctrinés par les médecins, comme des fois les parents d'élèves le sont un peu par les profs, je ne sais pas, mais enfin, c'est un peu bizarre. Ces débats sont passionnants. Je donne juste la parole à encore 2 personnes à qui je demande d'être très rapide. Sinon, il y a un moment qui est dédié à toutes ces questions. On a encore des choses à vous dire. Donc encore 2 personnes et on redébattra après une petite pause alimentaire parce que je vous sens très fatigué là. Rapide. Donc moi je suis... Pardon, je suis médecin généraliste et je travaille aussi dans un centre spécialisé pour toxicomanes. Donc personnellement, c'est les patients qui m'ont demandé, alors, et le baclofène, quand est-ce que vous allez vous y mettre? Et j'ai dit, je sais pas. Donc c'est vrai que je me suis permise de lire votre livre et je pense que ça m'a aidé aussi à après me donner l'envie de le prescrire. Pour moi, le baclofène, ça représentait d'abord... un petit peu la même histoire que par rapport à la méthadone pour les usagers de drogue par voie intraveineuse en particulier, parce que ça permettait d'enlever le produit et de pouvoir enfin travailler sur le reste. Et je me suis dit que donc, bah oui, après tout, si ça marche aussi pour l'alcool, eh bien, autant utiliser cette porte-là. L'autre chose que j'ai trouvé aussi très intéressante dans l'utilisation du baclofène, c'est que ça permettait de poursuivre qui pour moi est important, la modification qu'a déclenché aussi, bien sûr, le sida, de la relation entre le médecin et le patient, et que donc, enfin, on donnait des clés au patient, et qu'on adapte la dose avec lui, puisque chaque patient n'a pas forcément la même posologie, et que donc ça oblige à avoir une relation différente. Et enfin, la dernière chose, qui là serait plutôt une question,
je fais aussi de la santé publique. Et il se trouve que, en particulier par rapport aux jeunes, vous disiez donc que ça a déjà été utilisé en neurologie, etc., même chez des très jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être utilisable dans, et si oui, dans quelle situation par rapport aux jeunes qui prennent, par exemple, de l'alcool, on sait, essentiellement le week-end? Merci de votre intervention. Et, tout d'abord, il y a quelque chose d'inexact là. La méthadone est quelque chose de tout à fait différent comme le Subutex. Il s'agit d'une drogue remplaçant une drogue, un petit peu comme la nicotine. Mais si. Bon. Oui, mais c'est un opiat. C'est un. Quel est. Non. Bon, mais. Non, je vais reprendre autrement. Je vais reprendre autrement. Le baclofène a. Je reprends. Le baclofène est un médicament qui n'agit pas pour une drogue, que ce soit l'héroïne, alors qu'elle agit sur l'héroïne, la codéine, on a maintenant des centaines de cas, héroïne, codéine, cigarette, boulimie, alcool, cocaïne, etc. etc. En quoi agit-elle? Voilà. Ce n'est pas du tout parce qu'elle a une action au niveau des récepteurs opiacés pour l'un, récepteurs je ne sais quoi pour l'autre. Oui, d'autres récepteurs pour l'autre, etc., etc. C'est parce qu'elle agit sur un mécanisme commun de l'addiction qui est la libération de dopamine et la libération donc qui fait que dans toutes ces drogues, le mécanisme commun, autant d'ailleurs pour la boulimie, et le mécanisme de récompense est affecté et donc normalisé, c'est-à-dire que la satiété est obtenue et c'est ainsi que les gens sans autres médicaments, et le baclofène n'est pas addictif, on peut arrêter le baclofène, il ne se passe rien, personne n'a jamais fait voilà. Alors que dans d'autres, par exemple la cigarette, il y a des produits de substitution qui sont les Nicorette, les ceci, cela, mais qui ne marcheront pas pour l'alcool, la cocaïne, etc. Pour la méthadone ne marchera pas pour l'alcool, pour la cocaïne, etc. etc. Donc, donc dans tous les cas, il s'agit de médicaments utilisés pour une drogue spécifique, la nicotine et l'alcool, la méthadone et l'héroïne, alors qu'ici, il s'agit d'un médicament qui marche pour à peu près tout. Ces médicaments. Et la deuxième question était sur les jeunes. Alors voilà, qu'est-ce que représentent ces espèces d'apéros, je ne sais quoi, où les jeunes vont boire, etc. Alors, on ne peut pas les taxer d'alcooliques, on ne va pas mettre sous baclofène tous les gens qui ont des grands désirs de faire comme ils disaient, les rave parties, etc. Il y en a qui seront alcooliques, il y en a qui sont alcooliques, il y en a qui ne le sont pas. Il faut les prendre à part et voir. Certains sont alcooliques et profitent de ces fêtes pour se joindre à eux, d'autres ne le sont pas du tout. Quand on prend la guerre au Vietnam, les gens qui étaient héroïnomanes et qui sont rentrés, sur ceux qui sont rentrés, 10% sont restés héroïnomanes, 90% ne l'ont pas été. Donc, qui continuera de boire après toutes ces fêtes, je ne sais pas, mais pas 100%, pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec eux, ça c'est une question bien plus large, qui nous dépasse un petit peu, je crois. Juste pour en terminer peut-être un peu avec la polémique, donc moi je suis malade, et je veux juste résumer brièvement mon cas. Le mois dernier, après avoir lu le livre du professeur Amezen, je suis allée voir mon médecin généraliste, après avoir découvert le site de Aube, très inquiète par rapport à sa réaction. Je lui ai demandé s'il avait entendu parler du baclofène, il a tapoté sur internet, il a regardé des sites médicaux. Il a regardé ça pendant une demi-heure, et au bout d'une demi-heure, il m'a dit ça a l'air sérieux, seulement il ne connaissait absolument pas les doses, etc. Donc on le découvre ensemble. Il m'a dit je pense que vous en connaissez plus que moi. Je suis ressorti avec une ordonnance. Donc en une demi-heure, mon médecin généraliste, qui n'y connaissait rien, m'a prescrit du baclofène. Je crois que les médecins spécialistes là-dedans peuvent le faire aussi, je veux dire. Voilà, c'est tout.